Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je ramasse des pruneaux. C'est à vous les fruits, les arbres? Alors, c'est le terrain de mon papa, en fait, c'est les arbres de la famille, en fait. Moi, j'y suis depuis toute petite, donc c'est vraiment un verger que je connais. Qu'est-ce que vous en faites après de tous ces fruits? Ceux-là, je vais les attendre qu'ils mûrissent un peu plus. Et puis, dès qu'ils seront assez mûrs, soit je les transforme en confiture, soit j'en fais des pâtes de fruits. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. J'ai beaucoup de plaisir à faire mon métier. Donc, c'est de prendre un fruit et de le transformer de A à Z. Vu que mon métier avant, c'était boulangère-pâtissière, le fait de ne plus pouvoir travailler la nuit et tout avec les enfants, j'ai développé toutes sortes de confiseries en fait, que j'ai pu continuer à faire pour utiliser les fruits du verger et justement faire des bons produits. Du coup, vous allez faire vos courses chez les différents producteurs de la région? Oui, bien sûr. Bon, moi, les fruits, quand je n'ai pas ceux que je cherche, je vais les chercher chez d'autres producteurs. Enfin, je travaille avec la ferme de Collonges, là, qui font du bon lait, justement, parce que tous les caramels que je fais, je prends chez eux. J'ai aussi une ferme qui fabrique les œufs pas loin de chez moi. Donc, pour ma consommation et pour les produits que je fabrique aussi, je vais chercher les œufs là. Bienvenue. Alors, voici la boutique. Merci beaucoup. Voilà. Alors, les gens viennent quand ils veulent, en fait, il n'y a pas d'horaire. C'est une boutique ouverte en self, 7 sur 7, nuit et jour. Très bon, en tout cas. Alors, tant mieux. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mais de rien.